Comment tu vas, toi, Enzo ? Bien. Plutôt bien. Disons, t'es grand, là, tiens. Faut rôle, tiens. Bien. Oh là là ! Fais-moi un petit essai de voix. 1, 2, 3, là, dans ce micro-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. Wow. Là, comme ça, on voit que t'es dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça tient ton pantalon ? Ça tient quoi ? C'est pour accrocher des choses. Et qu'est-ce que t'accroches, généralement ? Bah, des fois, j'accroche des cartables avec. T'accroches ton cartable, là ? Mais... Oui. Mais il traîne par terre, alors ? Oui. Ah, il traîne par terre ? Ah bah, tu vois, alors ça, je connaissais pas. Franchement, je savais pas. Et quand t'as tes livres et tout dedans, c'est pas gênant ? Bah, des fois, oui, des fois, non. Et quand c'est gênant, alors, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je le laisse quand même traîner par terre. Ah bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Disons, ça doit l'user sacrément vite, ton cartable. Oui. T'as des livres de quoi, dedans ? Bah, de français, de maths, et des classeurs, des cahiers de texte, plein de choses. Qu'est-ce que tu marques sur ton cahier de texte ? Les devoirs. Et t'as beaucoup de devoirs en ce moment ? Oui. Tu sens que c'est une année difficile ? Pas vraiment. Bon, là, ceux qui t'ont accompagné, c'est qui ? Oh, je sens, je vois. Il y a ma mère, il y a mes... Attends, va pas si vite. Ta maman, comment s'appelle-t-elle ? Babette. Babette. Babette, c'est la dame qui est en train de te filmer. Oui. Coucou, coucou, stache. Non ? Ah, dis pas non. Eh ben, dis donc. Ça se négocie, ça. À côté. Mélanie, c'est ta petite sœur ? Oui. Sûrement. À côté. Noémie. C'est ta grande sœur ? Oui. Tu vois, je tombe bien. Hein. À côté. Ma mamie. Qui s'appelle comment ? Martine. Martine, à côté. Mais non, c'est quoi ? Pas celle-là. C'est pas... Elle s'appelle pas Martine ? Non, Maryse. Pourquoi tu l'appelles ? Pourquoi tu l'appelles Martine ? T'as une autre mamie, Martine ? Non. Ah, Martine, c'est ta petite amie s'appelle Martine et tu ne l'as jamais dit à ta mère. Non, c'est l'autre grand-mère. Ah, tu sais, ils ont deux grand-mères, oui, papa et maman. Mais il m'a dit non. Il m'a dit non. Ah bon ? Non, Martine, c'est... Bah, moi, je regarde la maman, elle a l'air de confirmer. J'ai l'impression qu'elle connaît quand même bien sa mère. Ton autre grand-mère s'appelle Martine ? Et tu l'apprends aujourd'hui ? Ah, je comprends que ça doit te faire un choc. D'accord. Je sais que toi, tu joues de la batterie. Oui. C'est vrai, c'est sûr. Oui. Et tu joues bien ? Non, mais j'en fais plus. Pourquoi t'as arrêté ? Je voulais faire du foot, mais maman, enfin, on voulait s'inscrire, mais c'était trop tard, du coup, je fais du volleyball. Alors attends, tu jouais de la batterie, mais tu voulais plus faire de la batterie pour faire du foot, mais comme c'était trop tard, tu fais du volleyball. Oui, c'est logique. Logique. T'es bon en volleyball ? Oui. C'est dur, hein ? Oui. Et alors, à la fin de l'année, tu vas revenir sur le foot ou la batterie ou tu vas rester au volley, finalement ? Le foot. Ah, tu vas laisser tomber le volley ? Oui. Bon, et puis là, rate pas la date, hein ? Sinon, tu vas te retrouver à la piscine. Peut-être. En maillot de bain, à faire du crawl. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on chante, Enzo ? Ce matin va être une pure soirée. Ah, je l'aime bien, celle-là. Alors, il faut que tu te mettes bien là, comme ça, devant. Ma sœur veut monter sur scène parce que c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mélanie. Joyeux anniversaire. Et je crois que tu peux lui tirer les oreilles. Je lui tire les oreilles ? Oui. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est pas vrai. Il a fait juste ça pour embêter sa sœur. Non. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, c'est son anniversaire. Bah, bon, on va lui dédier la chanson que tu vas faire avec Michael. Faut que ça soit top, hein. D'accord ? Mitch, il est en super forme. Il va te faire un truc d'enfer, un truc béton. On y va ? Allez, c'est parti ! T'as besoin d'aide, Enzo, ou tu vas t'en sortir tout seul ? J'ai besoin d'aide. T'as besoin d'aide ? Ok. Oui. Allez. Répétez le son. Bah, allez, vas-y, commence. Je sens que ce matin va être une pure soirée où on fait oh et oh, 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 oh et oh. Lundi matin. Je fais la teuf toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi. Pas possible que ce soit déjà fini. C'est toujours au chanson. C'est toujours dingue, dingue, dingue. Toujours en rut, en rut. Une question me turlute. Pourquoi attendre les samedis pour faire le poli-poli? Pas besoin d'être au VIP la nuit. Tous les chats sont au pop. Rendez le Blackberry. J'BPM et ma mamie. RDV 10h du mat, boulangerie, et c'est parti pour la poli, 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 poli. Vas-y DJ, fais péter le son. 10h du matin, on est déjà à fond. Je sens que ce matin va être une pure soirée où on fait oh et oh, 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 oh et oh.
Enzo. Bravo, et Enzo. T'as fait ça, mais comme ça, tout. Ah, j'ai vu ça, formidable. Attends, reste encore avec moi qu'on te mette des notes, regarde. Regarde les notes qu'on te met. Oh là 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 là. 197. Super notes, c'est tellement grand qu'on n'arrive même plus à les lire. Bravo Enzo, t'auras des cadeaux tout à l'heure, tu les as bien mérités.